Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous propose de tester le nouveau Mavic 3 de DJI en photogrammétrie. Pour ceux qui ne connaissent pas la photogrammétrie, c'est un procédé qui consiste à modéliser en 3D un sujet, un édifice, un bâtiment, une parcelle de terrain, au moyen d'un ensemble de photos. Et donc le drone est un outil tout trouvé pour cela, puisqu'on va pouvoir faire des photos aériennes du sujet. La première étape de la photogrammétrie, c'est ce qu'on appelle la captation. C'est l'opération qui consiste à prendre un ensemble de photos. Et ces photos ne sont pas à prendre n'importe comment. Il faudra qu'elles se chevauchent idéalement entre elles. Pour faire ces photos, d'habitude, on utilise un Mission Planner. C'est une application qui va automatiquement programmer un itinéraire et déclencher les photos. Cependant, pour le Mavic 3, qui est un appareil tout neuf, on n'a pas encore de Mission Planner disponible, et donc il va falloir attendre que des applications tierces se développent, à condition que DJI mette à disposition le SDK, le Software Development Kit, pour que les développeurs puissent commencer à travailler. Donc il ne faut pas s'attendre à voir des Mission Planner disponibles avant quelques mois. D'ici là, il va falloir procéder à la captation manuellement. Donc là, j'avais fait une vidéo qui expliquait comment on pouvait faire ces photos avec le bon niveau de chevauchement et les bons paramètres. Donc je vous invite à la regarder. C'est de cette façon que je vais procéder pour ce test. Le point fort supposé du Mavic 3 sur le papier, c'est sa plage dynamique. Et ça, ça va permettre en principe d'aller chercher de l'information en même temps dans les ombres sans surexposer les hautes lumières. Donc ça peut être souvent une contrainte en photogrammétrie, c'est qu'on a des surfaces très blanches, très exposées, où on n'aura pas d'informations et des trous dans le modèle 3D qui va être généré. Donc là, avec le Mavic 3, en principe, on devrait étendre cette plage dynamique et avoir un modèle plus complet. Les spécifications techniques du capteur qui nous intéressent en photogrammétrie sont principalement la bonne définition des photos, qui atteint 20,8 mégapixels, la focale réelle de 12,3 mm et la taille de photosite de 3,3 micromètres. Il en résulte une résolution de 2,68 cm par pixel à 100 mètres, soit légèrement meilleure qu'un Phantom 4 Pro qui est à 2,74 et un peu moins bonne que les 2,35 cm par pixel du Mavic 2 Pro. Le Mavic 3 délivre des photos JPEG d'excellente qualité, elles sont peu compressées et peuvent atteindre 21 mégaoctets. La performance des photos a été développée dans les chapitres Conception caméra et analyse photo à la 16e et 20e minute de ma revue du Mavic 3. Retenons ici que le Mavic 3 produit des photos excellentes, présentant peu de bruit dans les ombres, offrant une bonne netteté, sans tricher avec les contrastes locaux, la colorimétrie est fidèle, même en basse lumière. Selon ces critères, les photos JPEG du Mavic 3 distancent celles du Mavic 2 Pro et surpassent celles du R2S et du Phantom 4 Pro. Le Mavic 3 a été principalement testé en reconstruction 3D de monuments avec la solution Reality Capture qui est parfaitement adaptée à la numérisation du patrimoine. Pour être plus complet, j'ai également vérifié les résultats en orthophoto, la justesse de l'échelle sans point de contrôle et aussi testé le Mavic 3 avec Agisoft MetaShape. Les tests ont été réalisés sur ces 6 sujets dont j'ai arbitrairement évalué la complexité de leur reconstruction en fonction d'une part de la difficulté de captation, dépendante de l'environnement proche de l'édifice et de la facilité à faire évoluer un drone autour. La complexité est d'autre part fonction du sujet lui-même selon qu'il soit composé ou non de treillis, câbles, garde-corps, concavité ou dépassé de toiture. La météo rencontrée lors de la captation joue également un rôle, une bonne lumière diffusée par une couche nuageuse en altitude étant la solution idéale.
On va commencer avec un test facile qui est la captation et la modélisation 3D de cette statue. Donc je vais procéder à une captation en mode manuel. Je vais faire des orbites autour de la statue à différentes hauteurs et essayer de les inscrire dans une demi-sphère. Et la principale difficulté, ce sera de bien respecter le chevauchement entre photos et puis également de bien gérer son exposition, parce que là il y a un petit peu de soleil, il y a des surfaces brillantes, donc il va falloir éviter les zones surexposées, sinon on n'aura pas d'informations. Cette statue de 6 mètres de haut a été captée au moyen de 288 photos, plutôt confortable, voire surabondant pour un tel sujet. Toutes les photos ont été alignées avec succès, le modèle est parfait, finement détaillé, il est complet, y compris sur les surfaces réfléchissantes. Les détails sont bien restitués, l'inscription est lisible, et on peut même identifier la canette de boisson énergisante. L'échelle est bien respectée, aussi bien sur le plan horizontal que vertical. C'est un très bon résultat pour commencer, il ne se démarque pas spécialement de ce que j'avais obtenu avec les Mavic 2 Pro, R2S et Phantom 4 Pro. L'objet de ce test est de réaliser une orthophoto d'une maison moyen de 62 photos prises à la verticale à 50 mètres sol. La reconstruction 3D est correcte, mais n'est bien entendu pas en mesure de modéliser les zones cachées, telles que les parties sous toiture qui n'ont pas été photographiées. L'échelle sur les dimensions horizontales est juste à moins d'1% près malgré l'absence de point de contrôle. Comparaison faite avec un Mavic 2 Pro, avec une captation prise au même instant, au même endroit, mais un peu plus haut pour égaler la résolution, les différences de résultats sont minces sur le modèle 3D qui peut être localement un peu mieux détaillé avec le Mavic 3. Quantitativement, le modèle du Mavic 3 est plus riche d'après les rapports de calcul et dépasse de 5 à 15% le Mavic 2 Pro sur les critères d'alignement et de reconstruction, mais rien qui ne saute aux yeux. Concernant la qualité des textures générées, elles ne diffèrent pas de manière significative et reflètent les contrastes locaux plus appuyés du Mavic 2 Pro. Pour cette tour médiévale, la difficulté est de bien reconstruire l'intérieur à peine éclairé. Les 259 photos sont prises en périphérie et aussi en assistant vers les ouvertures. Toutes ont été alignées avec succès. Les nuages bas et la faible lumière de cette journée neigeuse ont imposé d'ouvrir à 2.8 avec un shutter à 1/240 pour éviter de monter les ISO. Malgré l'ambiance très sombre, l'édifice est parfaitement reconstruit avec une excellente restitution des détails, y compris en intérieur et sous les ouvertures. Comparé au modèle 3D issu du R2S, le modèle est plus riche, les joints entre briques sont mieux restitués et les textures offrent une meilleure netteté. Concernant les zones intérieures également bien mieux rendues avec le Mavic 3, je modère la comparaison car la captation du R2S a été réalisée par une journée ensoleillée plus exigeante sur la plage dynamique. En conclusion de ce test, on obtient un excellent résultat avec le Mavic 3 en basse lumière avec une reconstruction détaillée, complète et non bruitée. Pour ce test qui va être assez difficile avec le Mavic 3 en photogrammétrie, c'est ce monument. Donc c'est un édifice qui est compliqué. D'une part, on a une statue bien blanche qui est très exposée. C'est pas une journée idéale parce qu'on a beaucoup de soleil. Le mieux c'est d'avoir une petite couverture nuageuse qui diffuse bien la lumière partout. Donc là, on a une statue bien blanche qui va être facilement surexposée.
On a du treillis sur ce monument et puis des zones à l'ombre avec beaucoup de concavité, avec des zones sous toiture. Donc c'est un beau défi de réussir à modéliser ce type de bâtiment. Défi qui sera plutôt bien relevé par le Mavic 3, même si les résultats restent imparfaits sur les escaliers et garde-corps. L'ensemble est bien reconstruit, y compris sous la pentille. La statue et son socle sont propres, la porosité des pierres bien restituée contribue au réalisme du modèle. Si le résultat n'est pas parfait sur les composants les plus complexes, il est meilleur que ce que j'avais obtenu avec un R2S qui avait bénéficié d'une luminosité moins violente au moment de la captation qui avait été réalisée au moyen de 440 photos. Ce moulin restauré, situé au fond d'une combe mal éclairée, est le sujet le plus complexe, avec une végétation environnante dense qui contraint fortement à la captation. Il a fallu slalomer entre les branches et câbles et se résoudre à prendre une partie des photos en portant le drone à la main pour gagner en efficacité et limiter les risques, l'anticollision étant moins fiable avec des branches isolées dans un environnement sombre. Le moulin étant en fonctionnement, il n'a pas été possible de modéliser la roue en rotation. Si d'habitude je privilégiais une ouverture à f5 et ISO 100 pour maximiser la qualité des photos, l'heure tardive m'a contraint à régler sur f2.8 et ISO 200 pour rester sur un temps d'obturation court. Le résultat est très convaincant, voire exceptionnel. Les garde-corps sont complets, on peut toucher le pisé parfaitement texturé. Les murs en galets, l'échelle, les fenêtres, tout est rendu dans les moindres détails. Le Mavic 2 Pro m'avait déjà produit un résultat prometteur, bien que moins complet, et je mesure à quel point celui du Mavic 3 est bien supérieur. Cependant, avec des captations non strictement identiques, il faut rester prudent sur la conclusion. Le sixième sujet est cette grande madone de 7 mètres perchée sur une tour de 20 mètres, un projet également complexe tant du point de vue de la captation, avec une situation en forêt, que de la difficulté du sujet. Faute de temps, la captation a dû être précipitée et se limite à 357 photos. C'est plutôt insuffisant pour un tel monument. Une partie des photos de la base a été prise en promenant le Mavic 3. J'obtiens un très beau résultat, la statue est parfaite, les structures métalliques et garde-corps sont bien reconstruits. On apprécie les détails, comme ces traces de pas dans la neige, bien restituées, et la finesse dans les pierres. Je vous partage un septième projet réalisé avec le Mavic 3. Il s'agit de la modélisation de la cathédrale Saint-Nicolas de Nice. Cette magnifique réalisation est l'œuvre de Christophe Campana de la société Drone C3C. La captation repose sur 1067 photos prises avec le mode intervalle et en pilotant le Mavic 3 à vitesse lente au moyen du mode ciné. Je vous laisse apprécier ce très beau travail de captation manuelle et de reconstruction d'un édifice complexe et de très grande dimension. Le Mavic 3 n'a pas de shutter mécanique, c'est un shutter électronique qui va procéder par balayage des différentes lignes du capteur. On est à quelques dizaines de millisecondes, le temps que la photo soit prise, ce qui fait qu'à haute vitesse, on peut avoir une photo qui est déformée. Donc le Mavic 3, il sera excellent pour faire de la photogrammétrie avec des photos prises en stationnaire ou à très petite vitesse. En revanche, ce ne sera pas un candidat pour faire du mapping de grandes parcelles où là, pour des questions de timing, on ne peut pas faire les photos en stationnaire où il faut aller assez vite. Pour le mapping de grandes parcelles, on ira sur d'autres produits que le Mavic 3.
j'ai testé la captation hybride en mélangeant des photos du Mavic 3 avec celle d'un GH5 puis celle d'un A7 R4, tous les deux à 24 mm en focale équivalente. Reality Capture et Metashape ont avalé sans difficulté les deux types de photos. Plutôt que de promener son drone à la main pour des photos près du sol, cette méthode, plus ergonomique, peut être une bonne alternative. Les 7 projets présentés dans cette vidéo illustrent la très bonne performance du Mavic 3 dans le domaine de la reconstruction 3D par photogrammétrie. Ces deux limitations sont le rolling shutter et l'absence, pour l'instant, d'applications tierces pour programmer les missions de captation. Voilà, j'ai terminé la captation de la tour de Clermont avec le Mavic 3. Il commence à neiger, il fait assez sombre. Ce que je retiens sur ce drone, c'est un bon candidat pour la photogrammétrie. D'une part, c'est ses performances en basse lumière qui nous permet de ramener beaucoup d'informations dans les ombres ou également de faire de la captation avec des journées comme aujourd'hui qui sont très faiblement lumineuses. D'autre part, c'est le confort qu'amène la surveillance latérale. Donc il a une surveillance omnidirectionnelle, mais en particulier la surveillance sur les côtés à gauche et à droite est intéressante parce qu'on fait en captation autour de ce genre d'édifice des mouvements en orbite et parfois on fait des mouvements assez bas. Donc c'est bien d'avoir une surveillance. Ça mène un peu de tranquillité. L'autonomie est également très intéressante. On peut faire une captation de plus de 35 minutes sans inquiétude. Donc c'est vraiment dans le domaine de la captation que l'autonomie, de mon point de vue, va être utile sur ce genre de produit. Et puis également, les points forts du Mavic 3, c'est sa compacité et sa transportabilité par rapport à des appareils plus gros. Donc ça peut être utile quand on fait des captations qui ne sont pas forcément juste à côté d'un parking. Et enfin, c'est son faible niveau sonore par rapport à des appareils plus gros toujours, ce qui permet d'être un peu plus discret. Merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.